Là, ce qu'on va voir, c'est à partir d'ici. Donc sur le mi. Pong, fling, pong, fling, tong. 1, 2, 3, 2, 2, et... C'est une des dernières répétitions pour les 8 élèves du conservatoire de Tulle qui accompagnent le temps d'une représentation les 14 musiciens et chanteurs d'Electric Gem. La formation strasbourgeoise travaille sur un répertoire où se mêlent musique méditerranéenne et rock, des univers assez éloignés de la musique classique enseignée au conservatoire. Pourtant, depuis un peu plus d'une semaine, Grégory Dargent écrit et compose des morceaux pour intégrer les jeunes musiciens d'instruments à cordes dans le concert. On se moque pas d'eux, c'est-à-dire c'est pas facile. Ils sont vraiment courageux parce que certaines parties qu'ils jouent sont des parties que nous aussi on joue. C'est-à-dire que j'ai voulu pas les prendre pour des enfants, dire ok, on est dans la même galère, bah moi je joue ça, bah on va se débrouiller pour que tu le joues aussi. Et donc le rapport pédagogique il est là, c'est-à-dire pas les prendre de haut, se dire ok, on va être un groupe. Jeudi soir c'est un groupe qui joue sur scène, on va jouer 40, 5 minutes, 50 minutes, vous allez jouer 20 minutes avec nous, c'est un groupe. Et donc, bah voilà. Le texte, il est là, les partitions, elles sont là, on doit travailler, on fait évoluer les choses ensemble. Si les choses sont trop dures, on trouve des solutions. Et prenez confiance dans votre instrument, dans votre mémoire, dans votre pratique, dans votre expression. À l'origine de cette opération, il y a un partenariat entre la salle de musiques actuelles des Lendemains qui chantent et le conservatoire de Tulle. Partenariat qui a permis d'élargir le champ des possibles. Là, ce qui est peut-être un petit peu exceptionnel, c'est de le faire aux Lendemains qui chantent, de le faire aussi avec ce groupe-là, et de faire cette rencontre entre cordes qui sont connotées, hein, violon, violoncelle, alto, c'est connoté musique savante ou musique baroque, et d'un seul coup on se retrouve dans le haut rock, en tout cas dans le rock, un petit peu, ou dans la musique méditerranéenne en tout cas. Arrivés à Tulle dimanche, les musiciens d'Electric Gem travaillent chaque après-midi avec les élèves du conservatoire, des élèves âgés de 10 à 20 ans qui sont sur le projet depuis plus d'un mois pour appréhender les codes des musiques actuelles, parfois éloignées de la musique classique. En violoncelle, normalement, c'est pour faire de la musique classique. Ben là, on fait du rock, donc ça change. C'est le tempo qui est un peu différent, beaucoup plus vite, plus de choses rythmiques. J'en attendais de quelque chose qui soit différent de ce que je fais habituellement, donc du classique. Et puis où je puisse peut-être plus... En fait, mon instrument, c'est un instrument accompagnateur. Donc en général, on n'a pas des parties très intéressantes. Voilà. Et là, du coup, c'est l'occasion de se marrer. Quoi. Voilà. Moi, je trouve ça génial. On apprend plein de nouvelles choses. Et puis, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'apprendre au conservatoire. Donc on s'éclate et puis il y a une super ambiance. Et c'est super génial. Un plaisir qui se voit et que les élèves comptent bien partager ce jeudi soir sur la scène des Lendemains qui chantent pour une unique représentation.